Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous prenons la direction de la France où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan poursuit sa mission. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé hier avec le patronat français. Daniel Kablan-Duncan a présenté au patronat les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, un exposé qui portera certainement fruit puisque les opérateurs économiques français ont exprimé leur satisfaction après la rencontre. Après les étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'imprègne des difficultés des enseignants et du personnel de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le ministre Niamey Konan a eu une rencontre avec eux ce mardi et des échanges en vue de trouver des solutions aux différentes préoccupations posées par les enseignants et le personnel. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat, a ouvert ses portes hier au Palais des Sports de Trècheville et c'est la première édition. Le MIVA, espace de promotion du riche patrimoine artisanal national, se tient sous le thème promotion de l'innovation et de l'excellence des produits de l'artisanat africain. Le salon referme ses portes le 13 avril prochain. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, c'est désormais confirmé. Les soldats tchadiens se sont définitivement retirés du pays. Le contingent ne fait donc plus partie de la force africaine, la MISCA, déployée sur place. Le ministre tchadien de la Défense, en visite à Bangui, a annoncé ce retrait définitif. Un retrait déploré par le chef de la MISCA, la mission internationale de soutien en Centrafrique. Au Rwanda, on veillera et on priera pour ce deuxième jour de commémoration du génocide de 1994. Hier, le président Paul Kagame a allumé la flamme au mémorial du génocide à Kigali, une période de deuil national de 100 jours décrétée, marquant ainsi la centaine de jours qui suffirent il y a 20 ans pour qu'environ 800 000 personnes, essentiellement issues de la minorité Tutsi, soient massacrées. Et il n'y a pas qu'au Rwanda où l'on s'est souvenu de ce génocide. Au Sénégal également, les ressortissants rwandais ont commémoré le génocide de 1994. Un à un, ils ont rejoint la place du souvenir africain de Dakar. Rwandais établis au Sénégal, diplomates, officiels sénégalais et autres personnes anonymes sont venus commémorer les 20 ans du génocide rwandais. Et ce sont des jeunes tout blancs vêtus qui ont porté la flamme de la paix et de l'espoir. Et la plupart des gens que vous avez ici, c'est des gens qui n'ont jamais participé dans ces choses-là. Donc tout le monde ici a subi au fait des conséquences de ce qui s'est passé au Rwanda. Donc ce que moi je propose, c'est qu'on puisse vivre ensemble, on puisse travailler ensemble, on puisse construire le pays pour le monde meilleur. À l'occasion de la commémoration du génocide, les autorités sénégalaises ont tenu à exprimer toute leur solidarité au peuple rwandais. Le Rwanda nous a prouvé qu'avec la générosité et l'humanité, ils ont pu construire un avenir radieux, un avenir durable. Et il faut que l'Afrique se souvienne, prenne exemple de ce qui s'est fait au Rwanda, par le pardon, par le dépassement, par l'humanité. Et c'est un exemple pour moi. Il ne faut jamais oublier, et nous oublions jamais. Cette force de ne jamais oublier nous motive également dans la volonté de reconstruire notre pays, parce que c'est grâce à cette détermination que le génocide a été arrêté au Rwanda. En février dernier, la flamme avait quitté Dakar pour Kies, à 70 km à l'est de la capitale sénégalaise. L'arrivée de la flamme à la place du souvenir africain est l'étape la plus importante de la commémoration du 20e anniversaire du génocide rwandais au Sénégal. En France, le nouveau Premier ministre Manuel Valls obtient la confiance du Parlement. Les députés français ont voté par 306 voix pour contre 239, un vote qui intervient après son discours de politique générale prononcé ce matin, un discours offensif puisque Manuel Valls a annoncé plusieurs mesures, notamment une réduction du nombre des régions, des allègements fiscaux, les cotisations familiales qui seront abaissées pour les salariés et une réduction de la dette publique. L'est de l'Ukraine est-elle menacée d'éclatement? Depuis dimanche, la tension est vive dans cette partie du pays. Les pro-russes qui demandent leur attachement à la Russie s'en sont pris à des bâtiments publics. Kiev accuse Moscou d'alimenter les tensions, réplique des autorités russes qui préviennent contre toute provocation de Kiev.
Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve à 20h pour la grande édition.